Eh bien voilà, Maëva, Magali, du blog Futurinaire et Sport. Vous aimez les abdos, je le sais. Donc on vous a préparé un petit exercice à deux, mais il y en a surtout une qui travaille. Comme d'hab. Voilà. Et vous, bien sûr, qui allez aussi essayer de réaliser ça. D'accord? Donc, une personne assise, en posture correcte au niveau du dos, bien les jambes à angle droit, et c'est mieux. Les mains positionnées l'une contre l'autre, on va appeler ça l'exercice de l'horloge, tout simplement parce que on va imaginer 6 heures, midi, 9 heures, 3 heures. Et donc, je place ma main au-dessus, direction midi, et Maëva va souffler et venir contre-pousser dans mes mains. Et là, toute la sangle abdominale s'active. Inversement, elle appuie et je l'empêche de descendre. Mais moi aussi, en même temps, je travaille. Ok, maintenant, je mets ma main et elle va venir vers 3 heures. Hop, et là, on est plutôt sur les obliques. Et moi de même. Et on termine de l'autre côté vers 9 heures. Super. Donc, on a le temps et le droit, bien sûr, de répéter ça plusieurs fois. Mais ce qui va être intéressant, c'est de tromper la personne. Donc, elle ne sait pas où je vais appuyer puisque j'enroule ses mains. Et dès que j'appuie, elle va devoir, hop, souffler. Hop, souffler. Hop, souffler. Hop, yeah. Hop, hop, hop. Je la laisse un peu reprendre. Merci. Et c'est parti. Chut. Voilà, sur une seule expiration, je peux essayer de viser 2, 3, 4 changements de direction et on active tout le caisson abdominal. La respiration va permettre d'activer le haut, bien sûr le maintien au niveau du plancher pelvien périnée et le travail des abdominaux dans le travail de surprise à contresens. Voilà, elle pousse contre ma main à moi. Stéphie. Efficace. J'ai bien senti toute cette partie-là travailler. Et alors, au moment de la surprise, si on ne veut pas avoir tout le dos qui bouge, on est forcément obligé d'être bien gainé à cet endroit-là. Voilà, alors je vous assure, c'est un petit exercice simple, ludique. Si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire en famille. Si vous êtes plutôt animateur sportif, eh bien vous pouvez le faire avec un pratiquant assis et l'autre qui travaille et vos deux personnes vont travailler en même temps. Voilà, on espère vraiment que cet exercice vous a Plus. parfait et on attend vos commentaires et n'hésitez pas à le partager parce qu'il est vraiment efficace.